Et bonjour, j'espère que ça va bien. Yep, on se met sur la bonne scène. Ah, j'aurais peut-être dû charger d'abord. Peu importe. Peu importe. Je réfléchissais, je me demandais est-ce qu'il n'y avait pas justement eu un moyen. J'en parlais hier, de transférer ce qu'on avait récupéré sur une partie d'édition vers une partie normale. Alors le truc c'est que la partie expédition que j'ai fait la dernière, elle a été transformée en partie normale. Même si ça existe. Ça se trouve, ça serait pas possible dans mon cas. Du coup. Journal. Voilà, mission secondaire. Le sentinelle, il y avait ça à faire. Et ça, c'est quoi ça? Escanner des minéraux. De minéraux d'une planète spécifique. Vais commencer par ça. Et ensuite de balancer. Balancer les recherches de. Recherche de vaisseau, pas d'épave. Bon, désolé, il y a des artefacts sur le stream. Malheureusement, enfin sur le stream ou la VOD, hein, c'est YouTube évidemment. Mais ouais là. Je peux pas y faire grand chose, hein. Ça c'est l'encodage et pourtant je suis en mode qualité, mais. Le truc c'est que quand il y a des petits tricks comme ça très rapides, bah c'est la merde. Faut les faire apparaître d'abord. Échanger particules de module d'exocombinaison reconstruit. Eu ou pas? J'ai eu. Oh. Truc de carburant. Ce serait quoi? Ce serait avec ça. Ça c'est eu. Okay. Distance course. Alors c'est avec le jetpack. Protection toxicité défaillante.
Et harmonise. Localiser. Ça me fait chier, ça va m'ouvrir vers un... des dissonances. Bon, c'est toujours sympa un petit vaisseau, quoi. Ah. T'inquiète. Hop, la mission, voilà. Et la membrane, elle est mieux là. Ça. Course efficacité du carburant. Je pense que c'est censé être dans le même coin. Ok. Ah. Ok. Hop, hop, hop. Bon, bah, on va se rechercher le vaisseau. Même si pour l'instant je pourrais pas y faire grand chose. Je vais pas pouvoir le démanteler, récupérer des pièces. Allez, à peu près le même modèle que le mien, hein. À peu près. Et cerveau yalien. Le temple est là-bas. Après, en vrai, ouais, ne pas forcément acheter des épaves, mais acheter des épaves, trouver des épaves, mais peut-être des fois acheter un vaisseau dont une pièce m'intéresse. Allez, les mots, on apprend des mots. Le cerveau lié à lien. Voilà, on récupère le cerveau harmonique. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, est-ce que... Ah non. Ok, j'ai plus de place. J'ai plus de place. Est-ce que je voudrais virer? Hier, c'est le... Is
En vrai, ce serait peut-être celui-là. Ouais, voilà. Là, c'est pourri. On va prendre celui-là, échanger. Voilà. Bien. Du coup, ready. Voilà. Bâtiment abandonné. Ennui. Attends, attends, attends. Y a pas d'autre. Et un planétaire, un autre signal de détresse? Non. Je peux pas le faire tant que. Lui est en cours. Hop, je m'extrais de l'atmosphère. Ouais, c'est ça, c'est avec les œufs des bestioles, tout ça. Alors, oui, oui. Terminal abandonné. Ouais, ouais, hein. Terminal abandonné. Redoute les sentinelles, les pirates, même le week-end. Et que leur monde disparaisse, que l'univers change. Non. Personne n'a peur de ça. On récupère des nanites. Oh tiens. Ah non, d'accord, ok, c'est un... Ok. Un NPC, j'ai cru que c'était un joueur qui serait arrivé dans mon... Ah d'accord. Il y a que du suspect là-dedans. Air propulsion suspect, pulseur réacteur suspect, blindage de vaisseau suspect... Module de protection environnementale suspect. J'aurais à vendre là-dedans. Pour des unités, pour des unités. Les noyaux larvaires, j'ai pas besoin. Aussi. Hypnotique aussi.
Ok. Est-ce que... Ouais, non, les vaisseaux cargo, de type cargo comme ça, bon. Jamais botté. On va lui acheter. Bon. Là-bas, c'est quoi? Ah, c'est juste un campement mineur. Campement mineur. Pas campement de mineurs. Ça, je sais ce que c'est. C'est des ruines enfouies. Pas mal de choses rapprochées ici. Du coup. Alors, trouve-moi un site de crash, s'il te plaît. Allez. Pas mort. Pays de détresse. Rien que ce soit un site de crash. Les ailes sont sympas, celui-là. Erreur téméraire de Yaza. Yarozo, pardon. Réclamer le vaisseau. Pof. Le d'hydrogène, voilà. Voilà. Et je vais reprendre. Mais c'est normal, ça je le démantèlerai pour récupérer les ailes. Par contre, il n'y avait pas un truc à choper ici. Ouais, si c'est ça, c'est la balise de détresse. Le pilote électronique a été abattu par ses pairs pour une raison inconnue. Prendre une nouvelle technologie? Ah ouais? Ok. De blindage, système de défense d'exocombinaison. Ouais, mais de toute façon, voilà. Hop, on va récupérer le câblage. Voyez vers le cargo. Mais au fait, j'ai pas récupéré moi le vaisseau Abrutix. Oh là là. Il oublie tout. J'ai pris le cerveau, mais ça s'arrête là. Hein.
obligé d'avancer. Oh yeah. Bon. Récupérer ça. Hop. Ah merde, il me faut des... Oui, des éclats radiants. Alors, éclats radiants. Là-bas. Ah mince, c'est vrai. Garder ce truc là. Normalement, mon multiple, c'est celui-là. Radiant, clairadiant. Après je pourrais prendre mon Minotaur. Ah, hop, on récupère des éclats. Salut les gars. L'autophage par ici. Hop, on retire la moisissure. Circuit. Salut. Voilà. Pareil. Je la réclame. Allez, salut. Hein. Bon. Alors. Chercher une autre épave. Jamais. Mal. Ça, c'est un châssis libellule. Ah mais vaisseau endommagé, mais voilà. Trouver battement de cœur, vaisseau entité. Ok. Ah
Allez. Mettre la brèche dans l'isolation du vaisseau. Ok, bon, il me file un peu de pognon. Comment ça, estime diminuée? Oh, l'autre, je l'ai aidé. Oh. Ah, j'ai fouillé son vaisseau et il a cru que je fouillais sa copine. Bon, c'est pas grave. Allez, hop, hop. Le Minotaur. Hop là, voilà. Assez quelques morceaux là. Radiant. Ma compagne qui vous dit bonjour. Bon. Bah allez hein. Un bâtiment abandonné. Il y a toujours la possibilité de trouver un vaisseau au pif. Hop. Du coup. On peut s'essayer à... chercher comme ça. De visu éventuellement des qui seraient écrasés. Et que ça restera hein. Ah non, c'est pas la meilleure des idées. Ce n'est pas la meilleure des idées. Alors, signal de détresse, certes. Par là. Ça, c'est un chasseur. Ok, ouais. Chasseur là, il y a moyen. Rajoute à la collecte.
Robot défectueux, semblant parler la langue d'une espèce guerrière, entre et m'ignore et décide de prendre une pose théâtrale devant l'ouverture. On va l'ignorer aussi. Module de pulsant réacteur, et ben on va revendre ça. Bon, en tout cas, c'est bien. L'arrière est dégueulasse. Un bâtiment abandonné, c'est chiant. Oui, une heure, d'accord. Ok, j'ai compris. Oui, d'accord, c'était vraiment à l'autre bout de la planète en fait. Allez, histoire qu'il me repropose pas. Et encore, je suis pas sûr. On récupère des nanites, c'est trop intéressant. Sans être fou, mais c'est intéressant. S'épuiser. Pour les ailes éventuellement. Juste ça, solidité du bouclier 30%. Ouais, ça doit être le truc classique. Un truc sentinelle ici? Mais d'où?
étonnant ça. Du coup, c'est quoi, ce serait ça? Désactiver. Ouf. Voilà. Tourneau, voie de la ruche. Alors normalement ça devrait pas être le cas tellement hein. Que les sentinelles corrompues sont censées être corrompues. Oh. Pas bien grave. C'est marrant quand même de tomber là-dessus au pif. Bon. Pas l'air d'avoir grand chose d'autre dans ce coin si précis. Ah, attends, c'est quoi? C'est un petit monolithe. Comprendre la langue plutôt. Comprendre la langue, c'est mieux. Et estime augmentée en plus. Que demande le peuple? Ici, non. Ok. Il y a la détresse. Ah d'accord. J'ai cru que c'était tout proche parce que je voyais la ligne passer devant la montagne, mais en fait pas du tout. Non, pas du tout, vraiment pas. Ah, un autre chasseur. Ah mais c'est le même que tout à l'heure. Quasiment. Non, c'est exactement le même.
Bah du coup je vais pouvoir prendre le cockpit et les ailes. Après faut peut-être que je change de système pour trouver d'autres types de vaisseaux. Alors extraire les données de la boîte noire. Sans minéral. Amélioration de frégate temporaire. Ok. Ok. Très bien. Cool. Ici. Qu'est-ce que c'est? Ah, bah justement. Tour de transmission, peut-être un signal de détresse? Alors, 1, 3, 1, 5, 3, 7, 5, 9, 1, plus 4, 5, moins 2, 3, plus 4, 7. Moins 2, 5, plus 4, 9, moins 2, 7. Ok. On va faire le dernier signal là, puis après on partira vers un autre système. Bon, pour l'instant sur, ouais, sur 4 signaux de détresse, on a trouvé 3 épaves, c'est cool. Classe A, bon, allez, on va le prendre, on va le prendre. On va le prendre, on va le prendre. Factionnaire Corvax poursuivait une carapace qui avait été déconnectée à la convergence. Crash. Voilà, j'augmente mon estime. Bon. Cardialactique. Est-ce qu'il y a un endroit où je suis pas encore allé voir? Système vert, Nadis. Ça, c'est un système qui n'a pas de... Qui n'a pas de civilisation qui est dedans, ok. Corvax, Corvax minier. Qu'est-ce qu'on a en bleu des Vikens? Et les Vikens.
Et... C'est un pirate, avec. Ah, attends, système pirate, bah tiens, y a qu'à aller voir. Qu'est-ce que ça donne les stations spatiales pirates maintenant? Est-ce que ça a été revamp aussi? Est-ce que ça a été modifié? Bah, bizarrement, non. Ben non. Pas été modifié. Bon, en même temps, voilà. Pas très grave. Bah tiens, je peux vendre des trucs peut-être ici. Vendeur de pièces détachées. Alors, vendre des trucs. Je peux vendre des technologies. Demander la voie de la liberté. Mission réception du match. Ouais, ça c'est pour des... un mot. Ah bah tiens, lui je peux lui vendre des trucs, voilà. Pulse réacteur, ça je vais le garder. L'eau de lance. Ça me fait penser. Le chargeur. Chargeur automatique. L'envoyer. Cargo. Système de survie. 1X. ES. Recycleur d'oxygène, mais de toute façon, si je retire le recycleur d'oxygène, ça ne donne pas une place en plus pour ça. Le problème. Du coup, 50-35. 35 de panneaux solaires, 50 de survie. Eh ben on va récupérer le câblage. Hein.
Voilà. C'est très bien. Câblage que j'ai envoyé vers le cargo. Mais j'ai ça sur moi. Oui, bah oui. Ok. Ça me fait penser. Ça me fait penser. Ou pas. Mon esprit qui se perd. Ça quoi? Qu'est-ce qui me faisait penser à quoi d'ailleurs? Je me fatigue tout seul. Peu importe. Peu importe. À plusieurs trucs en même temps. Ah tiens. D'ailleurs, en parlant de ça. En pensant au Hul, est-ce que lui revendrait module de vaisseau. Non, c'est... Ah, si. De vaisseau. Hyperpropulsion suspect. Mais... Mais il n'y a pas... Il n'y a pas de réacteur de vaisseau. C'était rigolo ça. Salut alors. Scanographie hostile. Voilà. Échec de la scanographie hostile. Allez, on repart. Du coup, t'as vu, si y a rien. Ah, alors Corvax, mais Corvax. Corvax petit. Qualité, bon. On va aller voir. Et sans système. Waouh.
Et la station spatiale... un peu abîmée. Attends. C'est encore une station pirate ici ? Pirate, mais vide, abandonné. Waouh, station spatiale abandonnée à l'ancienne. Là, vraiment à l'ancienne. Ah ouais. Marrant. Et il y a un terminal de marchandises. Câble. Valeur venant d'un vaisseau démantelé. Mine de rien, ça c'est un truc, ça aurait pu servir pour justement les vaisseaux. Ça demande des ce genre de choses. Mais bon. Ok. Planète paradisiaque, oh tiens. Avec de l'indium. Allez. J'aime bien les trucs paradisiaques. Ça va, y a pas trop d'arbres, des petits champignons.
Un petit. Ça reste des champignons plus gros que mon personnage, mais bon. Modéré, sentinelle éloignée, flore foisonnante, faune non détectée. Ah ouais? Y a pas de faune détectée. Sérieux? Et quand ils disent paradisiaque, c'est vraiment. Pas d'animaux quoi. Il y a vraiment zéro animaux. Le clipping par contre c'est pas cool. Hey non, je peux pas faire venir mon. Je peux pas faire venir mon exonef ici. Faudrait que j'amène d'abord mon. Et le cargo. Je peux pas. Ah, il me manque peut-être. C'est bizarre quand même. Ça, c'est un truc que je devrais avoir depuis le temps. De quoi venir dans ce genre de système. Ah, si, c'est. Comme j'étais dans l'eau. J'ai dit non. Hop, je vais venir mon Minotaur. Il y a des palourdes. Et après, c'est pas considéré comme règne animal dans le jeu. Ah, quoique. On sait ce que c'est. Créature abyssale, on sait ce que c'est. Alors, salut la créature. Si je suis en véhicule, il va dire s'en fout.
Ah, il y a un truc là-bas, une pierre de savoir. Ok. Ah, peut-être que je regarde si je peux trouver un comptoir commercial. Tac. Signaux de détresse. Ah, je peux trouver des signaux de détresse ici. Ah, crash de cargo. Assez haut. Ah, d'accord. C'est trop proche pour utiliser le subluminique. Et terminal. Bon. Alors, voilà, j'y accède même sans creuser. Salut. Il n'y a pas forcément besoin de creuser. Popopom ici. Donc, emplacement d'extension multi-outil. Ok. Trop besoin, mais bon. C'est assez près.
Ah oui. Ça. On a le terminé. Reste un. En aurais j'oublie. Hein. Fuck it. Un mot. Fuck it. Signal de détresse détecté. Il y a des ruines en face en plus. Ok. Et ben on va le prendre pour le démonter. Hein. Samagus abyssal. Par contre je démonte pourquoi? La coque? La coque, les ailes comme ça on s'en fout. Ah oui, je voulais voir pour un comptoir commercial au cas où. Ok, un comptoir commercial là-bas. Oui. Vraiment proche. Et à attendre qu'il apparaisse. Voilà, merci. C'est cool. Alors, vu que c'est un comptoir commercial, il devrait y avoir un peu de monde là, non? Pas du tout. Un comptoir commercial, mais il n'y a personne. Normalement, il y a un ou deux gus qui sont assis ici, mais... le commerce n'a pas grand succès ici. Hein.
Circuit service. Composant. Ouais. Les économies de production d'énergie utilisées composants high-tech en très grand nombre. Ah d'accord, ça c'est un truc high-tech. Qui peuvent être bien vendus cher au... Ok. Ok. Est-ce que j'ai envie de prendre ça? Je peux. Hein. Ça dans. Voilà, inventaire du vaisseau. Pas grand chose. Tellement peu. Il y a tellement peu. Pas d'autres vaisseaux qui vient là. Ben hein. Du coup ça donne pas tellement envie de. Je vais dire ça donne pas tellement envie de chercher des vaisseaux, mais encore que. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah. Observatoire détecté, mais on s'en fout de l'observatoire. C'est un signal de détresse que je voulais, moi. Mais il est défoncé l'observatoire. Ah d'accord, en fait tout est défoncé dans le coin. Observatoire antique. Ah, ces journaux révèlent qu'il est antérieur à la plus grande partie de l'histoire connue de la galaxie. Alors 8 6 5 3 3 8 6 5. Ok, ça part. Part vers la droite, 5, 3, 8, 6, là, 6, 5, 3, 8, 6, 5, 3, 8. Chier. Signal détecté, ouais, pour un monolithe, oui. Ouais. Un bâtiment abandonné. Ah bah attends. Il a dit faune inexistante. J'avais une mission détruire des horreurs. Par contre, si elles reviennent à l'infini, c'est chiant.
Et ça en retrait, ok. Peut-être parce que j'ai pas détruit d'œufs pendant un moment. Bon. On est auprès de l'agent de mission hors de la planète. Ah ouais? Y a un agent de mission ici? Enfin, du coup... Vite, ça m'intéresse de voir où se trouve cet agent de mission. Un agent de mission sur la station? J'aurais pas vu. Étonnant. Alors, ok, allons voir. Après cet agent de mission. Ça m'intéresse, je suis curieux. Hors de la planète. Hein. Mais non, il est pas là. C'est bien ce que je me disais. Aïe 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 aïe. Comme c'est une station spatiale, ils considèrent qu'il y a un agent de mission, sauf que comme il n'y a pas d'agent de mission, bah, le point d'intérêt ne se déplace pas, quoi. Ça reste à l'entrée de la station. Du coup, ouais, on va plus rester là. Pas la peine de rester là. Gag dissonant. Ok, qualité 2. Ouh. Oh là. La fatigue. Oh oh. Oh. Joli. La station spatiale est sympa. Ça, là c'est sympa. Pas dire le contraire. La GLaDOS est en boule, attention à ne pas l'énerver. Terminal de commerce, ok. Du coup, oui. Faire des extractions. C'est dommage qu'on ne puisse pas choisir directement le vaisseau qu'on veut. Choisir le vaisseau. Un bouton choisir le vaisseau. Ce serait bien quand même.
Du coup, sélectionné dans un état critique. Oui, c'est bien pour ça que je le veux. Oh là là. Bon. Faut que j'appelle mon cargo, c'est ça. Je répare un minimum. Saut hermétique, ouais. Du coup, hermétique et saut hermétique. Hermétique et plaquage métallique. Ok. Air propulsion, je vais avoir besoin quand même. Ça et ça, ça devrait suffire, non? D'utiliser mon métal chromatique. On vient d'utiliser mon métal chromatique. Normalement, ça, ça devrait suffire à bouger. Ça suffit à bouger. Ah. C'est bon. Ça, ça et ça. Hop. Au moins que je répare les deux là en fait. Le réacteur et propulseur de décollage. Alors, ils sont où les autres? Alors, si je prends la TP, que j'ai accès station.
système actuel. Bon, alors le truc c'est que là c'est un cargo. Tellement impossible. Bon bah du coup, hop. À moins qu'il fait. Ah, à moins que je ne puisse démanteler que les vaisseaux intacts. Ah non, extraire le module. Alors, cockpit, aile, moteur. C'est cockpit ou aile. On va prendre le cockpit déjà. Alors c'est lequel? C'est celui-là. Erreur de machin. Analyse. Extraire, donc là on a dit les ailes. Ah, là je peux choisir aile gauche ou aile droite. D'accord. Ah du coup. Ah, du coup, je vais aller regarder quelle aile est la plus sympathique. Je dirais l'aile gauche. Celle-là. Oh. À moins que ça soit animé. Si c'est assez articulé, à voir. Si je fais ça. Ce n'est pas animé. On va récupérer l'aile gauche. Gauche. Ok. Augmentation de stockage de vaisseau. Ah ouais. Ah oui, j'ai obtenu ça, oui, c'est vrai. Un truc de crash. Ça je peux pas les monter, s'épuiser pas et ta critique et ta critique et ta critique. Ok, bon, pour nos cargos. On va retourner dans le spatioport.
Alors, où qui sont les vaisseaux abîmés? Ok, ils sont pas réapparus. C'est pas du tout celui-là. Pas du tout. Ah ouais, d'accord. Ils ont tous donné rendez-vous ici, hein. Oh. Oh, c'est quoi ça? Ah ouais. Donc ça c'est un exotique ça. Bien. 26 millions seulement. Je pourrais l'échanger contre le truc feu là. Qui n'est pas déconnant non plus. Ouais. Perry. Hein? Ouais. Hey, hop là. Salut, Walix. Bienvenue. Oui, j'ai des vaisseaux sentinelles, ouais. Yep. J'ai d'idées parce que plusieurs. Loin que j'ai monté jusqu'au rang S. Alors attends. Parce que pour l'instant, les vaisseaux sentinelles, on peut pas les démanteler, on peut pas les récupérer les pièces. Mais je me dis... Allez, on va l'ajouter à la collection, j'ai assez de thunes. Regardez ça. Et mon vaisseau, hop là. Elle, ce serait... Voilà, ce serait plus mon vestige. J'ai aussi un âme de verre. Là. Mais âme de verre, je crois qu'il est pas. Ouais, ça c'est pas mon vaisseau principal. Mon vaisseau principal. Tuc, tuc. Vestige, voilà, c'est celui-là. Je l'ai un petit peu customisé. Un vaisseau authentifié. Alors par contre, où est-ce qu'on voit type? C'est pas là. Parce que au moment où je pouvais. Je faisais la négociation. Ah, il est bien, oui. Moi j'aime beaucoup. Après les vaisseaux exotiques sont sympas aussi dans leur look. Par exemple, tac tac, si je fais négocier le prix et comparer. Voilà, navette. Ça c'est un type navette. Et moi c'est un type récupéré. Le vaisseau.
Vaisseau authentifié. Pourrais pas dire. Pff, la navette. Navette quoi, on va dire non. Hein. Donc par contre, ouais, navette, ça c'est un type qu'on peut. Que je pourrais te faire démanteler. Ouais, t'as fait ton propre vaisseau. En fait, là, je recherche. J'ai mes vaisseaux, mais ils sont pas apparus ici. Là, je cherche à les faire réapparaître dans le coin parce que c'est des vaisseaux que j'ai récupérés dans la partie là des épaves et je les ai pas assez réparés pour pouvoir les amener à la station spatiale. Un peu chiant. Combien d'heures de jeu? Alors en tout ou cette partie attends. Je crois que je suis à 140 heures. Sinon, si on regarde sur Steam. Sur Steam, je suis à 356 heures. C'est pas beaucoup, mais bon. Pas beaucoup. Pour un type bac à sable, c'est pas beaucoup, 300 heures. No Man's Sky, il y a eu une grosse mise à jour dernièrement. Mais donc ouais, tu joues depuis longtemps aussi Walix. J'ai pas la mémoire des prénoms. Enfin des prénoms, des noms en général d'ailleurs. Des pseudos ni quoi que ce soit, donc faut que je recherche dans les messages. Tu joues depuis un moment, t'as pu voir l'évolution depuis la première fois que tu as joué à No Man's Sky. Est-ce que c'est devenu maintenant? Il y a longtemps, à cause d'un bug, t'as tout recommencé. Bah après, la partie que j'ai là, j'ai dû la recommencer l'année dernière, je crois. En plus de parties, on va dire. En plus de parties en mode expédition, qui sont à part. Ça, c'est un cartographe. Moi, je veux l'agent de mission. Il est où l'agent de mission? Liste de mission, c'est lui. L'évolution est incroyable, hein. Ah bah ils peuvent faire mieux, mais alors c'est on va dire le bon point des développeurs là, c'est qu'ils ont jamais lâché. Ils ont jamais lâché le jeu, alors qu'ils auraient pu, hein, depuis le temps qu'il est sorti. Mais en vrai, les mecs là, ils lâchent pas, hein. Ils continuent à faire évoluer. Le fait de pouvoir construire son propre vaisseau, même si c'est pas totalement fini, hein. On pourra le considérer comme totalement fini quand ils permettront de démanteler et récupérer les pièces de tous les types de vaisseaux. Mais en attendant, c'est déjà pas mal qu'ils ont fait là. Restaurer les Steam, j'ai pas neutralisation de ce. J'ai pas. Et je ne peux pas lui filer de.
peux pas lui filer des éléments. Ok. Champ de technologie. Ah bah attends d'ailleurs. Technologie de vaisseau. Tiens, je vais acheter un réacteur classe S. Hop là, voilà. De blindage de vaisseau. Celui-là m'intéresse pas. Quête, ok. On peut jouer ensemble. Alors, que je te dise ça. Et où le code ami? Oh. Et ami. Voilà la liste des joues. Ah voilà, afficher la liste des amis No Man's Sky. Voilà, et ici afficher mon code ami. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Une petite exploration? Une exploration de planète? Une exploration de... Plutôt de... D'un... Ah! D'un cargo abandonné? Alors après je sais pas, ou faire quelque chose en plus, ou est-ce que je dois moi aussi rajouter ton code ami? Ah voilà, ça doit être plutôt ça, ouais. Donc réseau, voilà, tac tac tac, ajouter. Allez. Tac. Là, non. Ah. Ok. Bon. EKZ. Que c'est bon comme ça. Wallix TV, c'est bien là. Ok. Tac, Wallix TV. Du coup, qu'est-ce que tu voudrais faire?
Bah écoute, je vais aller acheter un. Quoique j'en ai peut-être déjà. En aurais-je déjà? Ouais, scanner de signaux d'urgence. Un petit cargo abandonné. Toujours sympa pour looter ça. Actuellement sur Discord, mais après si toi tu préfères dans le jeu, on peut faire dans le jeu. Le Discord, alors mon Discord il est yep. Ah bah il y avait le lien juste avant ton tout premier message. Copier le lien. Hop. Coller. Voilà. Toc. Et voilà. Et là, tu peux me rejoindre, je suis sur le cargo abandonné. Pendant, je vais déplacer un peu de mon inventaire que j'ai en trop là. Allo, allo? Ouais, ça va. Attends, j'ai monté ton son. Il est où? Discord, il est là. Et volume, voilà. Là, normalement, je devrais un peu mieux t'entendre. Ok. Bon, par contre, faut que je baisse, je pense, le son du jeu. Non, c'est bon, je suis là. Hop, appliquer. Et c'est bon. Alors. Bah écoute, si tu veux te. Vas-y, j'arrive. Voilà. Eh bah, en plus, c'est tout proche. Là. Ouais, c'est le vaisseau que j'ai calculé. T'as déjà fait du cargo comme ça? Ouais, je crois une fois, mais c'était il y a longtemps. Ah ouais, c'est, ça me dit quelque chose. Oui, il y a quelques temps. Un peu le son, que je baisse le son. Encore. Ah oui, je m'en rappelle, j'avais galéré. Hop, appliquer. Voilà.
Là normalement je devrais un peu mieux t'entendre. Normalement tu m'entends mieux là. Allez, je vais ouvrir. Hop, récepteur actif et c'est. Bon, on va voir exactement ce qu'on a ici. Si c'est quelque chose d'hostile ou pas. C'est la surprise. Voilà. Et pour l'instant, pas trop crado. Là, il y avait rien. J'ai eu un identifiant de sécurité. Ah, ok. On a un petit cul-de-sac. Ah. Et un chauffage. Là, il y en a extra encore. Sympa ces petits éléments de lore, mais c'est dommage que ça soit des trucs juste random pour être random. Y a pas vraiment de, on va dire, de cohésion dans le mini scénario, on va dire. Avec les extraits. Ouais ouais. Moi j'en ai lu quelques. Ouf. Voilà. Use. Le petit attaché caisse. Allez, il y a quelques coffres ici. Ah, petite méduse. Stabilisation du niveau de température. Ah, tant pis. J'arrive. Un petit peu plus de méduses. Canon. Ah, j'aime bien ces petits cargos abandonnés, il y a souvent pas mal de loot à prendre. Ouais, c'est vrai. Et là, j'ai eu quelques molécules là. Page. Voilà, le petit manifeste. Stabilisation du niveau de température.
pas ça que je... Oups là. Ok, alors attends. C'est où? C'est par où? Ah ouais. Il y a le petit, la petite pièce cul-de-sac ici. C'est juste pour la complétion du des zones. Et donc la suite c'est par là, ok. T'as déjà fait la fin du jeu? Enfin la fin du jeu, la fin du scénario principal? Non, pas encore. Non, pas encore. Ouais, bah, en fait, au début, j'ai commencé à farmer, du coup, bah, je suis retrouvé avec quelques milliards. D'accord. C'est déjà pas mal. Et ce que je veux dire, c'est parce qu'il y a du contenu après avoir récupéré le souvenir et la graine d'étoile. C'est après ça que tu peux trouver des nouvelles espèces, on va dire. Radiateur. Hop là. Voilà, l'ordinateur, voilà. Ouais, d'accord. Bon, il faut descendre pour descendre. Oh, bien lumineux tout ça. Assez grand. Ouais, mais ça va, c'est pas encore trop dégueu. Je sais pas si t'en as vu d'autres, des trucs comme ça. Hey, salut Splendide. Stream pretty cool, Fred Entertainment, ouais, yeah. 5 euro match. You can come on my Discord if you want. Dernière pièce, c'est bizarre, à chaque fois j'ai 10 sur 11. Hop, quoi. Manquait une pièce.
petit coup de radiateur ici, ça fait du bien. Bon, allez, du coup. Bah écoute, moi je vais fabriquer pour moi une cloison de cargo. On va prendre. Eh, hey, ça nage. Ça va bien. T'as déjà ton cargo, Walix? Ouais, j'ai déjà un cargo, j'ai un S. Oh, bravo. J'ai réussi à avoir qu'un rang A pour l'instant. Mais bon, après, le truc, c'est qu'une fois que t'en as un et qui est configuré, t'as pas forcément envie d'en changer. Bon, tu dois tout refaire. Ouais, bah ouais. Moi, moi j'avais pris un B au début. Et dès que j'ai vu le S, bah, je l'ai pris. Oui, bah oui, après. T'avais. Ah bah, je sais pas si je peux faire spawn là-bas. Là. Proche ici, je pense pas, ou alors le loin. Et le cargo, non. Après, mon cargo est déjà dans le système du coup. Ah oui, ça. Écoute, ça va nage. Là, je suis avec Walix. Ah bah tiens, si tu veux, est-ce que tu veux aller chercher un vaisseau de type sentinelle. Ça dépend, c'est quoi comme classe? Classe, bah les vaisseaux sentinelles c'est une classe à part, c'est les vaisseaux récupérés. Ouais mais il y a des classes, il y a classe B, classe... Ah bah ça après c'est au pif hein, on choisit pas. Bah, il y a un bug justement. Et c'est ça que je trouve dommage sur la mise à jour Omega. Enfin, pas celle-là, mais celle juste avant, c'est qu'il y a un bug. Donc, ah ouais? En gros, ouais. Bah, en gros, ils sont superposés. Il y a au moins 4 vaisseaux. Si tu vois, normalement, quand tu mets le scanner avec la visière, et bah, dès que tu bouges un peu, si tu trouves le bon angle, tu vois, il y a plusieurs vaisseaux. Et en fait, littéralement, tu peux choisir le vaisseau. Ah, alors attends, ça doit être en multi. Parce que tout à l'heure, oui, tout à l'heure, j'étais tout seul. Il y en avait qu'un. Mais c'est vrai que hier avec Noj en multi, on est arrivé sur un. Et il y en avait deux. Puisqu'on jouait à deux en fait. J'ai l'impression que c'est un spawn par joueur. Ils sont superposés. C'est superposé quand t'es 4 ou 3, c'est. Ça fout le bordel un peu et ça fait bugger un peu la map. Et ouais, du coup j'ai choisi. Clairement, j'ai choisi mon cargo. Du coup, il y avait un C et un A. J'ai pris le A. D'accord. Yep. Du coup, donc, ouais, le vaisseau. Oula, qu'est-ce qu'il se passe? Il m'a attaqué. C'est des vaisseaux style? Ouais, bah, j'ai des trucs de contrebande sur mon arme. Ah, ok. Ok, c'est les pirates. Non, c'est même pas les pirates, c'est les sentinelles. Ouais, je sais pas, ils ont vu que j'avais de la contrebande. Ah, d'accord. Ah, voilà. Ah, et par contre. Là, je crois qu'ils vont pas aimer là les. Ah, bah, c'est bien, on va pouvoir récupérer un spawn. Spawn de vaisseau gratuit.
Intercepteur, ouais. Ok. Et... tes boucliers toi. Oh, récupérer un cerveau lialien. Ah ouais, mais juste le cerveau lialien, ça sert à rien. On n'a pas un vaisseau à lequel le récupérer. Et arrive le cargo sentinelle. Le vaisseau amiral, go. Alors ils sont où les autres trucs? Ah voilà, je me disais c'était bizarre qu'il n'y ait pas de canon. Ah oui, c'est vrai. Et... attends. Hop. Je
peu de cargaison là-dedans, non? Par contre, si les alliés si les alliés qu'on a avec nous pouvaient tirer sur le vaisseau amiral, ce serait pas mal aussi, hein. Au lieu de nous suivre bêtement comme ça. Tu vois le vaisseau amiral? Allez, paf! Au revoir le vaisseau amiral. Ah, tu voyais pas le vaisseau amiral toi? Ah mince. Ok, bon. Mais donc ouais, du coup ça t'intéresse pas de choper un ou plusieurs vaisseaux. On est déjà. Ok. Ok, ok. Je fais la patrouille de France là. T'as fait tes quêtes de Nexus toi? Ouais. J'en ai fait quelques-unes, mais après je suis pas spécialement hypé par les quêtes de Nexus. Ah tiens, si. Je vais retourner vite fait à mon cargo. Hop. Voir si je retrouve mes. Encore à 5 étoiles. Revenu. Ok, bon. Ah, t'as appelé ton cargo? Oui. Je vais venir voir. Je sais pas si tu vas non, tu vois pas. Ah, on peut pas voir les cargos des alliés. Ah, dommage. Il faut que tu aies ton cargo. Et on peut pas avoir deux cargos dans le même. Ok. Ok, ok, ok. D'accord. Ça aussi, c'est un peu dommage. Ah, c'est sûr. Et pour voir, du coup, je voudrais que tu congédies ton cargo. Et puis après, normalement, je crois que tu devras voir. Et tu peux répéter juste? Normalement il faut que tu enlèves ton cargo, genre tu congédies ton cargo. Ah oui, oui oui oui. Du coup, c'est ça, ça et congédie. Tac, voilà. Et parti. Ah, le voilà.
au but du... Parce qu'en fait il y a une technique un peu pour l'avoir. Et genre t'as 5% de chance de... d'avoir un S. Hein. Oui bah oui c'est... J'ai eu du deuxième coup. J'ai eu un peu de chance. Tu peux voir les vaisseaux que j'ai. Les deux là-bas, là, c'est. Je veux les démanteler. Genre, lui, je veux. Ah, deux petits chasseurs, ouais. Je sais pas ce que je voulais, je crois que c'est ses réacteurs. Mais ses moteurs là derrière. Ah, hein. Je voulais ses ailes. Ah, les ailes là, c'est vrai qu'elles sont classe. J'ai vu un vaisseau exotique, il avait un peu les mêmes, du coup, je. comme ça. Du coup, attends, normalement j'ai un vaisseau sentinelle, je crois, il est là-bas. Ouais, il est là-bas. Et j'ai un vaisseau exotique aussi. Au lieu, j'ai eu de hier soir, je crois. D'accord. C'est la première fois que je prenais un. Lui, c'est un. Oh, un petit. Petit vaisseau sentinelle. Sympathique. Mais du coup, ouais, je me rends compte, du coup, il y en a, ils ont vraiment pas la même gueule du genre. Ah oui, c'est... Il y a plein de... modèles visuels différents. Hein. Et c'est pour ça que ça serait intéressant de pouvoir démanteler aussi ce... Ouais, les types-là. Cool. Pour en customiser. Après, je les craft. Ouais, un beau chasseur. Lui de base, je sais même pas. En fait, genre, c'est sur mon... lui, c'est mon autre sauvegarde que j'avais. Le vaisseau. Lequel? Le... Ah, le exotique. Oui, il était dans mon autre sauvegarde et je voulais le reprendre. Du coup, j'ai fait... je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai réussi à le reprendre en tout cas. Ah, bah ça m'intéresse. J'ai envie de récupérer pas mal de choses d'une sauvegarde que j'avais fait d'une expédition. C'est vraiment sim d'avoir perdu ma sauvegarde parce que j'avais, je crois, 150 heures de non. Ah ouais? Ouais. Attends, je devais en avoir 80 ou 90 comme ça. Mais en plus d'un bug vraiment bête, hein. C'est un bug. C'était de base, je faisais un cargo abandonné, mais tu sais, écrasé genre sur une planète. Ouais, ouais. Et bah, il y avait un bug, et du coup, ça m'a fait traverser toute la planète. Et à chaque fois que je chargeais ma sauvegarde ou que je faisais quoi que ce soit, bah, ça me mettait sur la planète. Et je mourrais en boucle. Ah merde! Et j'ai demandé à plein de personnes, ils m'ont dit, bah, y'a rien à faire. Alors, comment tu as... Ah, d'accord, t'as fait un grand truc extérieur. Oui, bah, j'ai fait ça vite fait, je me suis pas trop cassé la tête. Ah, avec le petit jardin ici. Ah, et cristal joli, ok. Ils ont déjà poussé. Et qui tire, oui, c'est ça. Un bon chasseur. Les éléments. T'as pas installé le module pour comment ça s'appelle, les exonefs? Non, bah en fait j'en avais pas. Genre j'ai une base. Ah oui, t'y as peut-être pas encore. Si si, je l'ai, mais j'ai pas encore les. Enfin, ça m'intéresse pas trop les exonefs, justement. D'accord. J'ai pas encore vu ce que c'était le comment ça s'appelle. Les exonefs? Non, les matérialisateurs orbitales d'exonefs, je sais pas encore à quoi ça sert. Bah en fait, là où t'as ton cargo,
Bah tu appelles une exonef et ça tombe sur la planète. Ah ouais, ok. C'est tout. C'est tout, t'as plus besoin de faire des à chaque fois une plateforme pour exonef sur une planète. C'est cool. Ouais, après t'appelles ton cargo, hop, il est dans le ciel, bon bah j'appelle mon exonef, pouf, allez. Je monte dans mon Minotaur et puis roule quoi. C'est cool. Moi j'ai vraiment énormément farmé. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais autant farmé je crois dans un jeu. Ah oui. Papa, tu triches. Oui mais j'ai le droit. Par contre bizarre là, les petites portes dans le vide là. Mais c'est horrible. Je sais pas comment elles sont faites pour arriver là. Parce que de base elles étaient de l'autre côté. Moi y'a que des bugs. Après je pense que j'aurais une salle pour tout ce qui est comment ça s'appelle la pièce d'extraction stellaire et pièce de raffinage. Bon, je la monte au-dessus là, ouais. Ouais. Et toi t'as fait une base sur ton cargo? Ah oui. Bon par contre c'est tout en intérieur hein. C'est un peu compact mais j'ai quelques ouais, j'ai quelques trucs. Ah et surtout j'y ai mis les stockages les gros trucs de stockage. Ah t'as mis t'as mis les stockages quoi. Ouais c'est ça. Ouais, j'ai mis ça. Du coup j'accède à mes stockages dès que je rappelle mon cargo. Stockage distant. Je le rappelle. Ouf. Hop, appeler. Donc, voilà. Bah je pense que tu vas avoir mon vaisseau, tu vas rigoler. Hein. Là. C'est original hein, comme atterrissage. Comme eux ? Atterrissage. Ah ! T'es arrivé dans le... Ouais, tu peux... Oh. Tu le vois droit toi ? Bah ouais. Ah, non. Moi je le vois droit. Ah non, droit dans... D'accord. Ok. Ah oui, effectivement, elle est un peu penchée. Oui, un peu. Ah merde. T'as fait des expéditions ? Ouais, j'ai fait des... Voilà, j'ai toute une pièce pour gérer les expéditions ici. Ça sert à quoi d'en avoir plusieurs ? Bah, tu envoies plusieurs expéditions en même temps. Ok. Normalement, tu peux justement envoyer jusqu'à 5 expéditions en même temps. Du coup, avec 5, 5 trucs là, bah, t'en envoies une, puis une, puis une, puis une. Bon, après, faut avoir les frégates pour, hein, mais. Et puis ici, ouais, les. Les stockages. D'ailleurs, je vais déplacer les pièces détachées de vaisseau dans un stockage spécifique. Ça me libérera de la place. Et après, là voilà. Un petit truc au-dessus. Mais là, je sais pas trop encore ce que. Oula! Je sais pas encore trop ce que je vais y faire ici.
Mais attends, mais je peux aller où là? Ah ouais, là je commence à aller où là? Eh, attention, pas crever hein. On prend des dégâts? Ah, j'aime trop être comme ça, genre, tu vois vraiment trop en gros, c'est incroyable. Mais pour les frégates, parce que moi j'en ai quelques-unes, mais j'en ai. Elles sont bien, toi, tes frégates ou pas? Bah, j'en ai acheté quelques-unes, ouais. T'as des S? Des S, je crois pas. Attends, faut que j'aille voir. J'aille voir, est-ce que j'en ai au moins en S? Ça fait un moment que je les ai pas rappelés. Mes frégates. Parce que j'en ai, je crois, deux en A. En A j'en ai, c'est sûr. Ah si, je dois en avoir en S aussi. D'ailleurs, oui, si. Si. Le fait de revenir d'expédition de façon... De façon légitime, bah de finir leur mission, bah leur fait gagner des rangs au bout d'un moment. Gagne de l'expérience. Ah, c'est cool ça. Ouais, parce que j'en avais qui étaient rang en A au max quand je les ai achetés, et maintenant j'en ai en rang S. Prendre le rapport, tac 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 tac, terminer expédition. Comment à peu près, genre, plus simple d'en trouver des frégates, c'est. Genre, juste tu te balades et dès que t'en vois, tu t'en achètes quelques-unes, ça? Bah en fait, près des stations, de temps en temps, t'as des flottes qui arrivent. Ouais. Et puis après, bah suivant le type de flotte, tu as des frégates de différentes sortes. C'est frégates de minage, frégates... économique. Mais genre, est-ce qu'il faut genre en acheter, genre, exemple, j'en achète 5 de combat, 5 de commerce et tout, genre. Ouais, genre, ouais. 5 de chaque. Là, alors, j'ai tout récupéré. Qu'est-ce qu'il peut me dire, lui? Nanana, nouvelle expédition, voir les expéditions. Voilà, là j'en ai une industrielle. Alors, assigner un vaisseau. Voilà, ouf, ah oui, oui, d'accord, oui. Je sais pas si t'as laissé mon stream ouvert. Ouais, ok. Ouais, Oui, si, y en a quand même quelques-unes qui sont devenues rang S. quelques-unes. Et ça, c'est les deux dernières que j'avais achetées. Et... Ils sont encore en rang C, mais qui vont monter au fur et à mesure. Ok. Et du coup, leur stat, elle monte aussi, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais, leur stat monte aussi. Ok, bah. Je vais commencer à en acheter beaucoup dès maintenant. Et là, j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 27. Alors là, j'en ai 27. Sachant qu'on ne peut avoir que 5 expéditions en même temps et chacune avec 5 vaisseaux, enfin 5 frégates. Et du coup, 25, avec 25, tu peux déjà faire le max. Puis après, le reste, Il c'est du. y a combien de catégories? Il y en a 4 ou 5? Après, tu peux en mettre moins, hein, mais tu peux en mettre 5 maximum. Tac, voilà, vaisseau assigné 0 sur 5. Mais il y a combien de catégories? Genre, il y a commerce, combat, exploration, industrie, Ouais. Commerce, exploration. combat, exploration, économie. Non, c'est commerce. Hein. Donc il y en a que Y 4. retourne. Ouais, expédition. Hop. Porte. Donc, combat, exploration, industrie, voilà.
industrie pour le minage et économie. Et commerce, pardon. Et le, ah si, t'as le support aussi. Support. Le support qui fait un petit peu de tout. Ouais, donc 5 de chaque, ok. Voilà. Mais des fois, ça sert d'avoir des trucs un peu équilibrés. Parce que ça te permet de... Quand t'as... Parce que oui, les missions, des fois, c'est pas équilibré, forcément. T'as certaines fois où tu vas avoir une liste d'expéditions avec... 3 expéditions commerciales, plus une minage, plus une combat. Ou alors plein de d'autres, enfin plein d'industriels, plus un commerce. Enfin voilà. Ouais. Mais c'est pour ça que le support peut être sympa, justement, pour combler les vides, quel que soit le type. Ça que je voulais voir, c'était cargo. Est-ce que là, je suis dans mon cargo? Ça. Qu'à un moment, juste avec le X, je pouvais déplacer vers vers les emplacements, emplacements de stockage X. Que t'as dans ton mix de combinaison. Pardon. Va dans ton exo combinaison. Mon exo combinaison. Oui, parce que j'ai vu t'as 2 boules rouges au-dessus. Oui. Mais c'est cool. Eh ben, c'est des trucs que tu verras à la fin du scénario. J'en dirai pas plus, parce que bon, il y a un petit lore quand même, un petit bout d'histoire à voir. Mais au bout d'un moment, tu récupéreras les trucs là. Okay. Et après ça, tu pourras trouver la dernière espèce inclue dans le jeu. Je veux pas trop en dire histoire de pas te spoiler quand même. Allez, il est déjà 6h. Moi je pense que je vais faire une petite pause ici. D'aller à mon vaisseau et sortir, quoique normalement j'ai mon... Ah oui. J'ai mon point de sauvegarde ici. Mais j'ai une question du coup pour le multi-outil. Ouais. Avant, genre améliorer sa classe directement ou on peut plus Oui, tu peux améliorer la classe. Par contre, ça coûte une blinde. Hein. En anit. C'est où qu'on fait ça? Alors, tu vas dans la station spatiale. Ouais. Et tu as. Vaisseau et là. Et dans la station spatiale, tu as le vendeur d'armes. Enfin, le vendeur de technologie multi-outils. Et juste à côté. Améliorer la classe. Comment ça peut me piquer ? Voilà.
Moi c'est grisé genre. Toi c'est grisé? Oui. Est-ce que t'as assez de nanite? J'ai pas assez de nanite. Oui, d'accord. Okay. Et pour aller revendre les trucs au marché noir moi. Une petite pause. Est. Les archives. Voilà. Ah oui. Hop. Allez, sauvegarder. Yep. Allez. Moi je vais dire au revoir. Vas-y, hein, salut. Et ben, et puis bah passe une bonne fin d'après-midi. Merci toi aussi. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao. Et pareillement, hein, les viewers, Noj. Alors tu fais une nouvelle partie, tu rejoins Max en multi sur une planète, tu tombes sur un nouveau... Eh oui, eh oui. Après, si jamais tu veux en faire demain, éventuellement, Neige. Si tu veux que je te rejoigne sur ta partie, histoire de... Bah de qu'on fasse un peu la mission principale, si t'as envie. N'hésite pas à le dire. Ali. Bonne soirée. À bientôt. Aux viewers, tout ça. Amusez-vous bien. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao. Bon, c'est pas si mal.